Du choix du torse dénudé aux bouteilles d'alcool qui sont laissées là. Un sens de la mise en scène assez frappant. Évidemment que les espaces de création, les espaces de travail sont toujours assez hypnotisants. Parce qu'il y a une forme d'intimité très grande qui est donnée en partage. Normalement, un artiste n'accepte jamais la présence d'un objectif et d'un regard sur ce temps qui est un temps de la réflexion, de l'élaboration, de la recherche, etc. C'est aussi quand même accepter de devenir lui-même une sorte de produit culturel. Les expériences fâcheuses, j'exige que vous exigiez à votre tour des magazines le visa par mois du choix des documents et de la mise en page. J'en ai assez d'être tout le temps reproduit de manière cocasse. Cela les embêtera peut-être, mais cela m'est égal. Je pense que ça devait être épuisant d'être Le Corbusier. On voit bien que c'est la photo originale faite par le photographe, mais il n'aime pas cette partie grise, il n'aime pas ce morceau de la voiture, alors il va la couper et c'est ça qui va... Ah oui, c'est ce qu'on voit là en fait, là c'est le cadre en fait que lui souhaite. Voilà, à chaque fois il... Ça doit être découpé voilà. Là. Il va aller jusqu'à retravailler lui-même les images, comme ici la villa turque de la Chaux-de-Fonds. Il n'aime pas du tout le paysage environnant, alors il va prendre les couleurs pour retoucher cette image. À l'époque, justement, aux années 20, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau. C'est délicat quand tout est à ce point mis en scène, d'aller chercher le petit point qui échappe. C'est à l'endroit où on se dit « Ah, là, il y a l'échappée, quoi. Il y a la chose qui n'est pas... Il y a l'accident. » Au fond, il y en a très peu, quoi, très peu. Moi, j'avoue que j'ai plutôt un goût de l'accident. On a ce plan de terrasse et il y a le chapeau, il y a les lunettes et il n'est plus là. C'est le logo. C'est la conscience qu'un deux objets choisis, ça finit par dire quelqu'un.